Un accord sur le Brexit extrêmement improbable, ce seraient les mots d'Angela Merkel après une conversation téléphonique avec Boris Johnson. Si les Britanniques ont laissé fuiter la petite phrase pour mieux dénoncer le manque de flexibilité des Européens, le blocage n'est un secret pour personne. Depuis la dernière offre britannique proposant un statut spécial pour l'Irlande du Nord, peu ou pas de progrès, et tous commencent à perdre patience, opposition britannique comprise. Au lieu de faire évoluer leur position, ils font échouer les discussions 6 jours après avoir mis leur proposition sur la table. La seule conclusion possible, c'est que le gouvernement a fait des propositions qui étaient conçues pour échouer, et maintenant il rejette la faute sur les autres, au lieu de donner la priorité aux intérêts du pays. Un point de vue partagé par le président du Conseil européen qui s'est fendu d'un tweet excédé adressé au Premier ministre britannique. Boris Johnson, l'enjeu n'est pas de gagner un stupide jeu de reproches. L'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni, ainsi que la sécurité et les intérêts de nos peuples, sont en jeu. Pour autant, la Commission européenne l'assure, le fil du dialogue n'est pas rompu, il reste 8 jours avant le sommet européen fatidique. Les discussions techniques se poursuivent, donc je ne vois pas comment les discussions pourraient avoir échoué alors qu'elles ont lieu ce mardi. Le négociateur en chef de la Commission, Michel Barnier, informera demain le Collège des commissaires de l'état des négociations avec le Royaume-Uni, négociations qui continuent. D'après la proposition britannique défendue par l'émissaire de Londres, l'Irlande du Nord quitterait l'Union douanière européenne et il y aurait un alignement réglementaire avec la République d'Irlande voisine, une solution bien trop hasardeuse aux yeux des Européens. L'espoir d'une percée est un peu plus assombri encore par la fermeture temporaire du Parlement britannique ce mardi, à l'issue des débats.